LM la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, j'organise un tournoi sumo tori dans la famille. Il y a plusieurs participants, on va voir qui est le roi des sumo. Présentation des participants, c'est parti. LM la famille, moi c'est Yakitori le sumo. Enchanté, sumo le saumon. Et bah c'est parti hein. Nous allons accueillir quelques participants. Après ils sont encore en train de manger parce qu'ils pensent qu'à manger les sumo. Les règles sont simples, celui qui a le plus de points remporte le défi et le match. Et la finale aura lieu contre un boss. Nous avons aussi la roue bien évidemment. Les participants auront le droit de tourner une seule fois la roue pour tenter de gagner des points et de se qualifier pour la finale. Premier match, saumon le sumo contre Yakitori. En garde, les règles sont simples. Pour marquer un point, il faut éjecter votre adversaire en dehors du cercle. On a le droit de se tenir seulement en bas de la ceinture. S'il y a une seule triche, il y aura un gros gage. Je sais que t'as faim, t'es un sumo logique. Que vous êtes prêts? En garde, c'est parti. Ok, les premiers sumo, en garde, bien joué. C'est bien, en dessous de la ceinture, en dessous de la ceinture. Bien joué, Yakitori qui commence à prendre l'avantage. Attention, on marque. Sumo le sumo, bien joué ça, faut réussir à pousser, bien joué les combats de sumo, super, bien joué, excellent. Et voilà, technique, attention peut-être le 0, non, toujours 0-0 dans ce match. Allez Yakitori, Yakitori, aïe, 1-0 les amis, pour monsieur saumon le sumo, qui a marqué un point dans ce match. C'est pas de ma faute aussi si ça glisse. Regarde, en plus, je suis même pas un vrai sumo, je suis même pas rempli. En garde, 1-0, c'est parti. Ok, bien joué, Yakitori. Yakitori qui a mis 1-0. Allez, Yakitori. Allez, Yakitori qui perd 1-0 dans ce match. Pousse-le. La technique du micro-ondes. Attention, top. Quelqu'un désire tourner la roue? Moi. On va pour la roue. Écoutez-moi, madame Yakitori. Vous perdez 1-0 dans ce match. Il faut marquer des points. Allez, tournez la roue. Attention, Yakitori va tomber sur. Ouh, un VS1 basket. Des sumo qui vont jouer au basket, incroyable. Donc je vous explique les règles. Vous allez avoir 3 attaques chacun. Pour marquer un point, il faut mettre un panier. On va l'enlever de la catégorie sumo. On peut pas admettre des sumo aussi nuls comme ça, c'est pas possible. Sachant que c'est le premier match d'échauffement. Tu peux pas parler parce que t'as une dégaine de cochine. Oh le cochinier, calmez-vous. Ce n'est que le premier combat. Les boss vont arriver juste après. C'est parti, premier en VS1. Yakitori, tu commences. Attention Yakitori. Wouh, 1-1 dans ce match. Autour de saumon, le sumo. Va-t-il de réussir? Oh là 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 là, mais les gars, les sumos sont forts au basket. C'est une masterclass. 2-1 dans ce match, maintenant nous allons passer à des 1v1 en mode dribble. C'est parti, toujours 2-1 pour sumo le sumo. Ok, bien joué. Oh non, il aurait pu rentrer, j'ai trop l'air si je l'aurais mis, genre, et qu'il aurait pas mis sa main. Bah, défends. Ok, bien joué. La technique, c'est ça la technique des sumos. Bien joué, instant. Ça marche. Aïe. Le gros doigt, les sumos ont des gros doigts de pied, les sumos. Le pied a gêné. On repasse à Myriam pour l'attaque. Allez, Yakitori, le saumon. Ah, oh, elle a voulu faire le petit pont. Bien joué, Yakitori. Accélère, il teste à moi. Oh, toujours 2-1 pour sumon, le sumo. Le saumon. Bien joué, excellent. Non, c'est raté. Les gros doigts du sumo n'ont pas permis de mettre un dunk. Maintenant, on va mettre une petite pénalité comme il y a une différence de poids, comme vous l'aurez vu. Monsieur saumon, le sumo aura droit à une seule main. Une seule main pour saumon, le sumo. On y va, quand vous voulez. Allez. Allez, il faut réussir. Bien joué, toujours 2-1. Pousse, Yakitori, pousse. Ah, ça joue. On voit qu'il est en difficulté avec une main, les gars. Allez, Yakitori. Ok, non. Monsieur Sumon le Sumo va tourner la roue. Les gars, c'est impossible de le bouger, lui, c'est un vrai de vrai Sumo. Regardez son gros là. Tu peux y aller. Attention, il va tomber sur. Foot 1v1. Les sumos vont s'affronter au foot en 1v1. Le premier qui marque remporte un point. Je pense qu'on va avoir le gagnant. Là, on va enfin avoir le gagnant. Quand vous voulez, les amis, c'est parti pour le 1v1. Les sumos qui jouent au foot. Incroyable. Oh, dommage. Ça joue. Allez, saumon le sumo. Fais-lui du sale. Oh, la technique du sumo. Va. Oh, mon Dieu. Non, pas but, les amis. Toujours pas but. Allez, Yakitori. Fais des passements de jambes. Fais-lui du sale. Bien joué, les passements de jambes des sumos. Oh le but! Les gars, j'ai fait le passement de jump de sumo comme ça et j'ai mis un but! Yes! On peut y aller. Oh bien joué! Pour finir avec devant. Oh non, il ne me marque pas, il préfère l'humilier. Oh Yakitori, ça m'aurait pas pu Yakitori. Bien joué! Oh! Vu que Sumo le sumo veut jouer, celui qui marque gagne le match. But gagnant! Allez Myriam, c'est ta chance, tu peux vraiment gagner. Oui Myriam! Allez Yakitori! Allez! Gagne. Allez, super, t'as gagné. Tu promets la Yakitori, tu peux gagner maintenant. Reste concentré. Oh, il va tomber. Madame Yakitori a le ballon pour gagner ce match. N'aie pas peur. Son ventre ne va pas t'attaquer. Allez, tu peux y aller. De la sauce. C'est bien la fin. Excellent, allez, tire. Non. Oh, ils vont finir le boulot. Ils m'ont à fin. Au grand saumon.
finit son temps. La victoire. Calme-toi, calme-toi, ce n'est pas à manger. C'est pas à manger? Non, c'est pas à manger. Et manger, toi? Non, c'est des... je suis l'arbitre. Je suis l'arbitre, calme-toi. On a mis Akitori, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'en dis que j'étais pas en vrai sumo. Nous allons passer au deuxième match. Là, ça va être vraiment incroyable. Deuxième combat, les amis, nous avons le sumo le plus gros de France. Je m'appelle Oden Quinoa. Oden Quinoa? Oden Quinoa. Parce que je suis Oden et je mange du quinoa. Très bien. Nous avons le deuxième sumo le plus gros de France. Il est là. Je m'appelle Choji. Choji, pourquoi Choji? Choji! Mais... on m'appelle Choji! Y'a pas à manger, Choji. Je suis en train de maigrir là, il faut à manger, je suis en train de maigrir là, les gars. On lui rapporte, tu veux quoi? Tu veux manger du quinoa? Ouais, du quinoa. Il n'y a pas de quinoa aujourd'hui. Y'a combat! Oh là là, mais je vais maigrir! Mettez-vous en place, les amis, le gagnant remportera une finale. Le gagnant de ce match remportera une place pour la finale parce que le match juste avant, ça m'a pas satisfait, les gars. Ok, on garde. Hajime! C'est parti! En dessous de la ceinture, ok, bien joué. Les deux colosses qui se battent. Ah, ah oui. Ça. Ah si, excellent. Bien, là, ça joue bien. Là, ça joue bien. Les sumo à l'attaque, ok, bien joué. Chiji qui est sur la défense. Chiji qui glisse. La roue. Qui a à manger dans la roue? Non. Regardez, je maigris. Toujours 0-0 dans ce match. En fait, toi, t'es un sumo. Dès que tu combats, tu maigris instantanément. Je maigris instantanément dès que je combats. Je suis plus un sumo là. 0-0. Quinoa. Burger. 3 pénaltys. Les sumo ont 3 pénaltys. Sachant qu'ils ont un gros corps, ils vont prendre toute la place dans les buts. Tu sais pas comment ils vont marquer. Il est très fort. Il mange pas que du quinoa, c'est un menteur. J'ai reconnu le goût de viande dans sa graisse. Attention. Monsieur Oden Quinoa qui a ramené un engin spécial. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Oden Quinoa? Des stéroïdes. En fait, je suis en train de m'implanter de la nourriture. Ça met du sucre dans le sang. Wouh! C'est de la triche. Mon ventre grossit. Je lui laisse seulement 10 secondes. Ok, monsieur Triple Big Mac, pardon, va tirer 3 pénaltys. 3 pénaltys. Ah, de monsieur Oden Quinoa. Manasimano. Oh, il a roulé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris trop de stéroïdes. Aidez-moi à me lever. Aidez-le, il faut l'aider. Allez, monsieur Oden Quinoa, levez-vous. Faut pas abuser des stéroïdes. Seulement, vous arrêtez, vous me donnez. Allez où la télécommande? Ça vous fait déjà un pénalty raté. Raté, monsieur Oden Quinoa qui rate le deuxième pénalty. Y'a pas du quinoa à manger? Je suis trop fatigué. Troisième pénalty, monsieur. On va rattraper Oden Quinoa. Et c'est le but, mais j'ai pas compris. Le sumo, il l'a touché, mais elle est rentrée. Mais pourquoi vous êtes fatigué? Vous avez juste gaulé. Allez, sumo, c'est trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous l'avez pas arrêté? La balle, elle glisse, il a mis du miel dessus. Bah, 1-0 pour lui. On va voir s'il va réussir à gagner ce match. La balle, elle peut pas glisser si c'est du miel. Elle colle. Le miel, ça colle. Ok, c'est parti. Premier pénalty. Ouh. Oui. Oh, c'est la première fois que je le vois faire un beau contrôle réussi. C'est grâce à ses... Première frappe. Attention, va-t-il le faire? C'est arrêté. C'est arrêté par Oden Quinoa. Allez, faut marquer les sumo là. Monsieur, venez voir. Je sais que le football... Non, arrêtez. Arrêtez, monsieur. Je sais que le football, c'est pas votre vote fort. Mais si vous marquez ce penalty, je vous donne un taco. Quoi? Oui, un taco. Allez, sumo, on peut les motiver que comme ça, c'est n'importe c'est quoi. C'est pas possible. Le taco. Oui, le taco. Après le combat, monsieur. Ouais, les sumo, on les motive comme ça fait 1-1. On reprend le combat. Je vous rappelle qu'il y a une place pour la finale à gagner pour l'instant. 1-1 dans ce match. C'est parti. Technique spéciale de la boule. Monsieur, technique spéciale de la boule. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Attention, il... Relevez-vous, les gars. Ces sumo me rendent fou, ces sumo. Je roule. Relevez-vous, les amis, relevez-vous. Allez, relevez-vous. C'est pas l'heure de la cantine. Oh, bien joué, monsieur Chigi qui remporte un point, ça fait déjà 2-1. Venez voir. Mais non, mangez pas votre costume. Monsieur Quinoa, ne mangez pas votre... C'est pas du quinoa? Non, c'est pas du quinoa, mangez pas votre costume. Ah, d'accord. Il vous reste seulement 30 secondes. Ok. Vous pouvez pas aller manger. Non, vous pouvez pas aller manger. Messieurs. En finale, il y a le boss. J'ai maigri encore. Venez voir, monsieur Quinoa. En finale, il y a le boss. Si vous faites ça, il va vous écraser. Mais le boss, c'est fatigant encore. Je l'ai vu combattre, il va vous écraser. Ah ouais? Il va vous écraser, le boss. Monsieur, il est en train de manger des... Mon Dieu, on peut y aller là? Vous avez fini de manger? Eh bien, pour la peine, mes amis, mettez-vous à genoux. Le combat se poursuit à genoux. Mettez-vous à genoux, messieurs. Parce que leurs jambes, ils pèsent trop lourd du coup, et je vais les mettre à genoux, c'est mieux. En garde, en position, saluez-vous. Toujours 2-1 pour monsieur. C'est parti, arrêtez d'économiser. Bien joué, monsieur Quinoa. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Quinoa? Technique de l'accélération.
Jour de 1, top. Nous allons tourner la roue. C'est catastrophique, messieurs, dames. Vous venez à côté de nous parce que vous allez prendre des stéroïdes. Venez à côté de nous. Okay. C'est parti. Tournez la roue. Qu'est-ce que vous faites? Il est en train de manger. Monsieur, calmez-vous. Tournez la roue. Arrêtez. C'est pas à manger. Allez, on y va. Quinoa. Rugby. Oh là là. Attention, les amis, ça va être très très corsé. Je vais me trouver au milieu. Il va y avoir un joueur de chaque côté. Je suis avec celui qui a la balle. Pour récupérer le ballon, il faut plaquer l'adversaire. Attention, je vous rappelle qu'il y a 2-1. C'est parti. Les sumo rugby, on y va. Allez, Quinoa. Ok, qui me l'a donné? C'est moi. On va la donner à celui qui perd. Allez, monsieur, c'est parti. Attention, l'attaque de Quinoa. Bien joué. Tenez! Bien joué! Posez la balle! Tenez, monsieur, il n'arrive plus à se lever! Faut marquer! Ne me dites pas que vous êtes trop fatigué pour marquer! Vous êtes trop fatigué pour marquer, monsieur! Vous avez juste à marquer un point! Vous êtes pas trop fatigué quand même pour marquer! Vous avez juste à. Allez-y, c'est rien! Et c'est le but! Oh mon dieu, c'est catastrophique! Allez, c'est rien! Allez, levez-vous! Ça va aller! Oh. Monsieur, faut du sucre, il fait une crise d'hypoglycémie. Tenez une glace! Une glace! Allez, là, il y a une glace dans mon dos! Allez! Non, c'est pas une glace, c'est un ballon! C'est un monsieur! Oh, ces sumo, ils sont insupportables! C'est parti! Attention à la technique de l'écureuil! Et oui! Nous avons le but gagnant, celui qui marque a gagné ce match! C'est moi le meilleur sumo des sumo! Il l'a mis dans son ventre! Victoire! Bien joué, monsieur! Non, il vous reste la finale! Non! La finale est plus forte! Non! La finale, monsieur! Non! Allez à la cuisine, monsieur! Monsieur, vous êtes qualifié pour la finale! Ah ouais? Il a abandonné! Il est parti! Ouais! Il est parti à la cuisine! Il est parti à la cuisine? Oui, il est parti à la cuisine! Allez, sumo, c'est vraiment des gros! Moi, je pense que sumo, c'est pas vrai, les gars, regardez, je suis maigre! Monsieur Quinoa, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mourir! Je m'étouffe dans mon ventre! Mais c'est pas possible, là, vous allez exploser! Je peux plus me lever! Attendez, je peux plus me lever! 1, 2, 3, 1! Ça va mieux. Après, pour la finale. Vous avez perdu tout votre poids là! Vous voyez la gougoute gauche? Elle a un retard par rapport à la gougoute droite. Il faut me ramener du quinoa. Pas de soucis. Du quinoam. À la fin du combat contre. Quinoam! À la fin de la finale. Du quinoam! À la fin de la finale. Tu m'as ramené? C'est qui que tu m'as ramené? Monsieur Quinoa! Tu m'as ramené qui? Calmez-vous, monsieur Quinoa! Je suis pas prêt, tu m'as ramené qui? Monsieur Quinoa! J'ai peur! J'ai peur! On va accueillir le boss final, le Vic! Calmez-vous, on va vous aider un attaque. Calmez-vous. Qui m'a dérangé de ma sieste? Lui, c'est vraiment le goat des sumo, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Wesh. Monsieur Kinoam, venez sur le terrain. Le Big, vous vous calmez. Calmez-vous, c'est que des petits débutants. Calmez-vous. En position, monsieur Kinoam. C'est parti. Ok, le Big. Oh, attention, monsieur Kinoam, il reste sur ses gardes. Oh, le Big, il fait la technique de la roue. Il lui a débranché le cholestérol. Je me meurs. Kinoam, tu n'as plus de cholestérol. Le Big qui va renverser Kinoam. Monsieur Kinoam, réveillez-vous. Monsieur Kinoam. Faites un massage cardiaque, allez, il est mort. Poussez-vous. Monsieur le Big, calmez-vous. Je vais exploser. Je veux arrêter, je peux plus. Je suis pas bien. Il est trop fort, je peux rien faire, il est trop fort. Ça marche pas. Moi j'arrête. Monsieur l'arbitre, je veux déclarer forfait. C'est quoi la solution? Quinoa. Allez, mange-le. Vous allez voir la bête. Oui, tout va, il vient quand lui là? Il arrive. Monsieur Quinoa. Par contre, faut pas manger la balle de rugby. Viens, monsieur Quinoa, viens. Dernière action, on tourne la roue. Qui? En position. 3, Gold. 2, 1, c'est parti. Stop. Oh. Monsieur Kinoam, lâchez-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tourner la roue. Box. On va se boxer. Les règles de la boxe sont que vous avez le droit de mettre des coups que dans le ventre, pas dans la tête ni dans les jambes, que dans le ventre. Et chaque coup dans le ventre, ça fera un point. Allez, vous pouvez enfiler vos équipements. Ça devrait le faire. J'ai perdu un point. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Rien du tout. Il a rien pris. Il t'a pas fait ça. L'effet, il va partir. Oh, je pète la porte. Calmez-vous, monsieur Quinoam. Monsieur Quinoam, on se calme. Oula.
Calmez-vous, gars. Oh, attention, la tête ne bouge pas. La tête. Vous allez bien? J'ai vomi le quinoa, j'ai plus de force. Ouais. Viens. Vas-y, viens là, y'a pas de quinoa. Il en a mis combien de points là? 11 points. Zéro. Pour l'instant, monsieur Kinoa, mettez en tête. Monsieur Kinoa, défendez-vous. Monsieur Kinoa, monsieur Kinoa. Deux points. Yes. Le roi des gros, c'est bien moi. Qu'on a perdu un sumo. La victoire. Je suis pas moi le sumo. Oh, lève-toi. 3 points. Lève-toi. Ah. T'as perdu, tu t'es fait éclater. On t'a donné du quinoa. Il est où? Il a gagné. Ah. C'est fini. Quoi? J'ai gagné? Non. On est en 2028. Ça fait 4 ans que t'es assis par terre. J'ai maigri. Pas, il est devenu musclé. J'ai maigri. Et sur ce pleur de faim, c'est à titre très content que je décerne Younes le plus grand sumo de France. Oui, ça mérite un homard. Ouais. Les amis, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes et de manger du quinoa. Bougna, viens voir. Moi, je m'en fous, j'ai caché mon quinoa, il est là. Je m'en fous, c'est ça. J'ai gagné ça, je m'en fous.